Je m'appelle Fethi Slimani, je suis le gérant de la cordonnerie Lina Cordeau. Donc, je fais de la serrurerie, de la cordonnerie, je fais pas mal de réparations. Après, t'es avec Sanson et après. Comme dit la société, c'est Lina Cordeau, donc c'est le nom de ma fille. Voilà, c'est une société où je suis tout seul et je suis content. J'ai une clientèle variée de tous bords. Ouais, mais à la longue, je peux vous Ouais, dire. Tac. Alors ça, c'est de la néoprène. Ça fait tourner la tête. Dans une journée, il peut arriver tout. Il peut avoir plusieurs services. Il peut avoir des demandes variées. Je peux vendre des montres. Je peux avoir des personnes qui, par exemple, ont claqué leur porte, donc ont besoin d'un serrurier sérieux. Donc moi, je leur débrouille un serrurier sérieux qui a opinion sur rue pour éviter justement toutes les arnaques qui puissent arriver dans le quartier. Et tant qu'on est une société qui est posée avec un magasin, donc il y a toujours, on peut toujours revenir et voilà, si ça ne va pas ou quoi que ce soit, je suis toujours à l'écoute des clients. On peut avoir des chaussures, des réparations de chaussures, de clés. C'est vraiment très varié. Automatiquement, on essaie de trouver une solution intermédiaire. Voilà. Alors, on tape pas trop fort. Simplement pour pouvoir bien aplatir. J'aime mon métier, donc voilà, je suis content, je suis épanoui et j'espère que ce métier-là va pas mourir parce que bon, c'est pas un métier qui est très apprécié par les jeunes de maintenant. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est parce qu'il faut être social, il faut être manuel, il faut penser, il faut avoir des idées, il faut trouver la solution à chaque problème. Et espérons qu'il y aura de la relève parce qu'il y en a de moins en moins de cordonniers, de moins en moins de serruriers. Et voilà, donc j'espère que dans la langue, dans la vie, que les gens ne laisseront plus ce genre de métier manuel tomber, quoi, tout simplement.